Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XV. J'espère que vous allez bien, que l'épisode vous a plu. Dans le dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, nous avons récupéré la Regalia. On a rencontré aussi le frère de Luna qui m'a l'air d'avoir, qui est passé vers l'ennemi, hein. C'est devenu un traître donc. Et on a récupéré Ramu, qui d'ailleurs nous a sauvé pendant le combat. Bon, je pense qu'on aurait gagné quand même, mais voilà, ça devient un petit peu compliqué, mais on a gagné quand même. Et donc on a fait voir la force suprême de Ramu, voilà. j'ai dit à 30 secondes, j'avais oublié. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver Iris à machin, là. J'ai oublié le nom. Là, je vois pas le nom, en fait. Sur le côté, je vois c'est marqué retrouver Iris A, et je vois pas le nom. Désolé, mais c'est comme ça. Oh mon dieu, mais il peut pas y avoir de combat ici. Attendez, faut qu'on se gare. Donc on va se garer, s'il vous plaît. Tu te gares ou tu te gares pas? Ah bah quand même. Ah, il se gare à la station d'essence. Bah pourquoi pas, après tout. C'est parfait. Si on se reposait un peu. On va aller voir ta sœur, si ça te dérange pas, bien entendu. Ah oui, est-ce qu'il y aurait pas des potions, lui? Il n'aurait pas des petites potions pour moi? Bienvenue. Si, parce que là j'ai fait. Ouah! Quand même, calme-toi. Des petites potions. Merci. Voilà. Des super potions. Voilà. Et voilà, une petite queue de phénix parce que ça coûte 1000 et ça suffit. Bien. Voilà. Allez, c'est parti. On va donc retourner à l'hôtel. On va voir ce qui va se passer par la suite, hein, du coup. J'espère qu'on peut passer par là ou non. Oh, la grosse déception. Il n'y a pas de couloir. Allez, cours. Cours, mon petit lutin. Ça n'a rien à voir, et alors? Ah, et puis quand Noctis invoque... quand il invoque, et ben, il a les yeux qui deviennent violets. Ça, c'est... et c'est assez badass, d'ailleurs, je trouve. Il brille. 2000 feux. Gladio. Ça va pas? Je suis désolée. J'ai pas pu aller à KM. L'armée impériale est venue ici pendant votre absence. On a refusé de parler. Ils voulaient savoir où Noct était passé. Alors ils s'en sont pris à Jared. Sans prévenir. Comment ça? Mais alors, j'arrête. On n'a rien pu faire pour le sauver! Je suis désolé. On n'aurait pas dû vous laisser. Mais ils s'en tireront pas comme ça. Je tuerai les impériaux jusqu'au dernier. Je te le promets. Moi aussi. Je promets que je vais t'aider. Noct, j'ai décidé d'emmener Talcott à KM. On peut pas rester. Sinon, on va devenir fou. Je comprends. Petite tristesse. Bon, le personnage, c'est pas comme s'il était vachement... on sait pas vraiment qui c'était de base, hein, mais... Ouah, mais regardez ça! Il est devenu violet. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parfait. Il aurait pu prendre une photo de Ramu, au passage. Pauvre nul!
C'est beaucoup trop risqué de la laisser y aller seule. On peut pas faire ça. On va être un petit peu à l'étroit, mais faut faire avec. Bon, on y va? Au fait, Sid et Cindy sont déjà à KM pour réparer le bateau. C'est bon à savoir. Ouais. C'est Jared qui leur a demandé. Ah. Ça m'étonne pas de lui. L'autre jour, j'ai vu un soldat Magitech. Ouais, bah... Oui. Bah Jared, oui. Mais il a protégé ce, le petit garçon, quoi, voilà. C'est l'accident bon, bête, oui. Merci. Ouais. Le plein était déjà fait. C'est parti, voyage automatique, ouais, allez hop, c'est parti, et on doit aller où? Quête. On va aller, quoi? Attendez, quoi? Bah. Quoi? Ah, faut que je parle à elle, peut-être. Bon, on y va? Ouais. Allez, en route! En route, mauvaise troupe! Comme dirait... Allez, on y va? En route. Qui on veut. Ah, la petite sœur au milieu, c'est mignon. C'est parti. Est-ce qu'elle a moi ou je rêve? Enfin, est-ce qu'elle a Noctis? J'ai rêvé. Bon, ouais, c'est parti, on va découvrir une nouvelle ville, j'imagine. C'est dans combien de kilomètres ça, je ne sais même pas. Mais voilà, ça va être fou, ça va être cool. J'imagine que... Ah non, c'est à 4 c'est kilomètres bon, voilà, Regalia, elle me rappelle l'insomnia. Ouais. Elle est vraiment différente des voitures d'ici. Elle est si spacieuse. On tient à 5 sans problème, même avec Gladio. C'est pas comme les voitures du coin. Vous les avez essayées? Non, jamais. Il y a à peine assez de place pour des bagages. Heureusement que vous étiez là pour m'emmener. Vous pensez que les autres sont déjà à KM? Oui. Ils devraient être arrivés à l'heure qu'il est. La musique est quand même assez cool. Bon, bah je crois que c'est la fameuse ville, j'en ai entendu parler parce que forcément je me suis fait spoil à un moment donné, t'as pas le choix, au bout d'un moment tu te fais spoil. C'est censé qu'il y a une ville qui est un petit peu inspirée de Venise. Bon, voilà, c'est juste ça que j'ai su. Donc j'espère que ça va être celle-là. Regardez, c'est le célèbre volcan de Ravatog. Je crois. Tu crois? C'est fou, t'es calé en géo. Oui, j'arrête de me l'enseigner. Ah, oh, j'arrête. Le pauvre professeur décédé. Je crois qu'on va y aller un de ces quatre au volcan. Ça, vous en êtes sûr? Ignis, tu conduis vraiment bien. Oui. Personne d'autre ne sait conduire? Moi, je peux. Moi aussi, je peux. Ah, ils peuvent conduire. Ça, y a pas de doute. Mais Ignis, c'est le seul en qui j'ai vraiment confiance. Pourquoi? C'est des chauffards? Non, pas du tout. Hein? Bah non. Mais va savoir pourquoi Gladio s'est mis en tête qu'Ignis est plus prudent. On se demande pourquoi. Regardez ça! Un vaisseau impérial. Il doit y avoir une base. Arrêtons-nous! Noct. Ça ira. T'inquiète pas. Quoi? Sérieusement? On va pas à la ville? Oh, une autre ville ici. Enfin, une petite ville. Un point de passage. Ok. Noct, tu veux y aller? Ouais, je veux venger la mort de Jared. Ça fera plaisir à Talcott. Iris, attends-nous ici. Ok. Quoi, on va laisser la mettre déjà? Bah allons-y, hein. On va peut-être manger un petit truc et puis on y va. Noct, il nous faut un plan si on veut s'en sortir. Une fois à la base, réfléchissons à une stratégie. Stratégie, foncez dans le tas. Bienvenue au tout premier restaurant Crow's Nest. C'est ici que tout a commencé. Ah bah voilà, la chasse que j'avais fait la dernière fois, c'est bon, nickel. À moi les 2000 Jules. C'est bon? Voilà. Cette aventure a dû vous épuiser. Des infos. Reposez-vous bien maintenant. Alors, les sanctuaires, il y en a ici. Là, il y a les parkings. Et là, c'est quoi? Les différents lieux des repos. Et les trucs. Ok.
quelques objets et tout ça. Ok. C'est bon. Et je vais juste manger. Quelque chose attire votre attention? On va manger ça. Waouh, waouh, 7000, mais ils sont fous, quoi. On va manger des frites, hein. Allez, c'est bon. D'accord. Non, mais n'importe quoi, le prix. C'est exorbitant, c'est exorbitant, ici. Note, Inis, voilà. Ah, des frites. Super. Bravo. Félicitations, hein. ce genre d'idée, c'est, tu peux en avoir souvent. C'est bon, on a mangé. Kenny et moi espérons vous revoir bientôt. Bah ouais. Sans problème. C'est combien... Ah, c'est 600 mètres, donc c'est bon, on va y aller à pied. Comment je fais pour y aller, du coup? Sûrement pas à la nage, ça c'est sûr. On va y aller à pied. Hein. La voiture! Ah, ça a arrêté depuis 10 mètres, quoi. Ignis, on part de... J'y crois pas, ils s'installent ici aussi? Je crois qu'ils veulent s'emparer de tout le territoire. Ils ont pas l'air d'avoir assez d'hommes pour ça. Probablement une base de ravitaillement. Autant l'attaquer. Certainement une base de ravitaillement. Autant l'attaquer. Mais comment on fait pour rentrer? Faut vraiment aller sur là où c'est. Bon, on va y aller. En tout cas, la dernière fois, j'ai pas compris pourquoi l'attaque par derrière n'a pas marché. J'avoue ne pas comprendre. Parce que bah il me regardait, mais pourquoi il en est pas le dos aussi? Quelle idée de me regarder. Allongé. Ça suffit. Voilà ma stratégie. C'est la mort. La sous-éclipse par excellence. Ah, oh, j'ai plus de mana. Bon, on y va. Bam bam bim bam boum bim 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 bam boum. Voilà, je merci. Je pourrais m'en charger tout seul. Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettos. Je dirais même plus. J'espère que ça va pas être le même labyrinthe que la dernière fois. Le machin, le donjon. Est-ce qu'on peut appeler ça un donjon maintenant? Nous voilà. Alors, t'as un plan? Ce qu'il nous faudrait, c'est un prisonnier. Évitons les soldats Magitech. Si on veut des infos utiles, on doit capturer un commandant. Cette fois-ci, séparons-nous. Prompto et Gladio, allez distraire l'ennemi. Compte sur nous! C'est notre spécialité! Noct, tu es prêt? Bah oui, allons-y. Opération coup de filet! En avant! Cette ex-mercenaire, elle est absolument pas fiable. J'attends encore qu'elle me contacte. Ça va pas du tout. Elle va finir par ternir ma réputation auprès de l'Empereur. C'est notre cible. Suivons-le. Attends mon signe pour le capturer. Ne te fais pas remarquer. Ok. Je suis caché. On a juste à les tuer vite fait. Je veux qu'il y ait un mec là. Je suis derrière toi. Nice. J'aimerais savoir où le chancelier veut en venir. Je ne suis pas idiot, je sais qu'il me fait surveiller par Aranea. Hop là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Inis a toujours deux... Eh oh, t'as pas un petit peu en retard? Non mais il est en retard lui. Hein. Il est retardé. Il est encore là lui. Nickel. Il est... Ça y est, il est kéblo. Inis, ça y est, on l'a perdu. Oh, attention. C'est pas par hasard si je la rencontre partout. Il a le culot de dire qu'il lui fait confiance parce qu'elle est humaine. Un comble pour l'homme qui a instauré les soldats Magitech. Un comble, oui. Quoi? Par là. Alors vous me voyez pas, hein? Vous me voyez pas? Je suis bien trop malin pour vous. Je peux me TP. Inis, je sais pas où il est parti, mais... Je crois qu'il s'éclate.
À l'Estaloum, j'ai peut-être agi un peu trop rapidement avec ce servant impudent, mais le résultat sera le même. On ne peut pas laisser cette mercenaire nous devancer. C'est moi, Caligo, qui trouverai le prince en premier. Je te suis comme ton ombre. Jamais tu te rendras compte que je suis à côté. Je suis tellement discret pourtant. Il va aller où maintenant? Il va aller là-bas où il y a des armures, c'est ça? Moi, je vais me TP là. Ha ha! Bah alors, on parle plus? T'as le silence qui est dans le jeu, là. Il y a toujours un peu de musique, là. Que chi. Nada. Que pui. Ah, t'aimes bien voir les particules, hein. À vous. À vous. Où est-ce qu'il va, comme ça? Je suis là. Mais je suis caché. On regarde jamais rien. Enfin, essayons de contacter cette femme une nouvelle fois. Attendez ici. Si la commandante arrive, conduisez-la. Conduisez-la quoi? C'est bon, il est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? On attaque? Alors, pour l'instant, faut juste que je le suive. Oh mais il est lent comme un cul. Et lui, il s'arrête. Il y a quelque chose par là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends vraiment. C'est le moment. Approche-toi par derrière et assomme-le. Attention, ne le tue pas. Ça va, je sais. Bah, capturé. Oh. Ouf, beau travail. Continuons comme ça. Ça y est, ils ont commencé. Noct, va les rejoindre. Je me charge de cet idiot. Tant mieux, je voulais m'amuser. Ok, j'ai juste rejoindre le groupe, c'est pas, ça marche. Allons-y. Je suis là. Alors, on veut rejoindre mes amis? Attendez, je prends le même chemin que vous. Laissez-vous faire. Qui c'est qui met... Non mais j'aime pas quand il me tire dessus comme ça. Et je suis au-dessus de toi, voilà. Clac. Toi tu m'as saoulé. Oh mon dieu, non, pas lui. Pas tout seul en plus. Cours. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Oh Gladiolus, c'est... Ok, c'est parti. Aïe. Tiens, ta papate. La patounette. C'est le moment d'utiliser mes pouvoirs. Non, ça marche pas. Ça marche jamais, hein. En fait, je sais pas quelle jauge il veut que je remplisse. C'est ça. Ah, si, la jauge là, ok. Je la vois. Elle est en bas. Ah, j'espère que c'est ça. Ah mince, attendez. Oui, merci de me réanimer, hein. IA à la mort moelleuse. Merci, Donald les dingos. Schlack. Je t'attaque les pieds, moi. Tu vas tomber, moi, je te le dis. Gladio. Gladio. Oh là là, et heureusement ils sont. Ils sont rapides là pour me sauver. Hein. Prompto a besoin de vie. Again. C'est parti, on continue. Attends, c'est quoi qui s'est ouvert là? Ouah! Parade! Bam! Mon dieu, c'était beau! T'aimes les flammes? Ah, mais Gladius, sérieux, t'as que ça à faire? De me saouler. Voilà, il est mort. GG. Waouh, l'explosion. Sans que je regarde. Eh bah, pète-le. Non, on peut pas le péter. Ah, faut que je fasse quelque chose. Ah, ouais. Manœuvre. C'est bon? Qu'est-ce que je veux faire? Ah d'accord. Attention, c'est pété. Ah, ça s'est bien passé pour vous, on dirait. Et au fait, le type qu'on a capturé? Eh bien, je l'avais refilé au clan Meldacio.
mais ils viennent malheureusement de me contacter. Le prisonnier s'est enfui. C'est pas grave, on remettra peut-être la main dessus. Le prisonnier s'est enfui, mais il a fait ça comment? Et donc tu serais prêt à un traître, toi? Avoue que t'es un traître. Comment je sors de là maintenant? Ok, bon, c'est parti. C'est bizarre cette histoire. Pourquoi il se serait enfui? Tu le surveillais, mon dieu. Quoi, c'est pas fini? Tu crois quoi? Que je suis si mignon que ça? Ok. Mais c'est bon là! Ok, notre petit, c'est encore en PS, merci beaucoup. T'as fini de me saouler? Quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette attaque pourrie? Tu m'as saoulé! Mais prompto, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est bon, bah oui, heureusement je suis là quand même. Attaque dans le dos! Ah, mais elle a arrêté nos attaques dans le dos! Vite, potion. Gladius aussi. Et Ignis aussi, même si c'est un traître. Bah, je sais pas. C'est parti! Cette fois, l'affaire. Saleté! Oh, regardez-moi ce combat de fou! Option. Enfin, potion, pardon. Fais pas la maline! Ignis! C'est parti. Ah, y a des potes qui a des potes à elle qui arrivaient, c'est normal. Combo de dos. Schlack. Je te slash. Au niveau de la vie, c'est bon. Enfin, c'est plus, c'est juste, mais c'est bon. Comment ça terminé? Il est où l'autre? Chien! C'est pas celle-là! Aïe! Ok, on va re-soigner tout ce beau monde. Déjà, on va commencer par Métis. Ensuite, Gladiolus. Boum! C'est parti! Dans ton dos! Aouh! Ça fait mal ça. Heureusement que j'en achète quelques-unes. J'ai des potions, tu peux rien faire contre ma supériorité! Aïe. Bon, je bourrine, certes, et alors? Ah non, pas encore! Qu'est-ce que c'est son attaque qui fait très mal, là? Donc, pour tout le monde, un petit... Et Ignis aussi. Elle décide d'avoir mal. Elle est où? Protection! Oh, elle est nulle, elle a raté! Pauvre nulle! Je sais pas soigner, sérieux? C'est cette blague. Plus c'est loin, plus ça fait mal. Attention! Parade! Je sais pas ce qui se passe, mais la parade est là. Ah, oh, mais prompto, tu m'as saoulé. Prompto. Voilà, toi t'es mort. C'est bon? Désolé, mais il est temps que j'y aille. Quoi? Ma journée est finie. J'en ai fait assez. Bon, allez, je vous laisse. Ces gros radins ne veulent pas me payer d'heure sup. J'espère qu'on se reverra. Mon petit prince charmant. Mais enfin, cette nana... Elle voulait quoi? Je sais pas ce qu'elle voulait, mais... Je crois qu'elle voulait ton petit boule. Elle est toute seule. Elle ne risque rien là-bas. Essayons de pas traîner quand même. Ne traînons pas.
Bon, un petit combat de boss qui s'est plus ou moins bien passé. J'ai un peu bourriné, certes, mais il y avait pas d'endroit où il fallait faire une parade ou autre, donc on savait pas quand est-ce qu'elle tapait et tout ça, vu que je connaissais pas le perso. En plus, il y a eu un gros problème de caméra à un moment donné, on n'a rien compris de ce qui se passait. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas grave. Voilà, mais la ville, je viens d'apercevoir que la ville était monumentale. Je veux la voir en vrai. S'il vous plaît. Vous voilà. Vous les avez dégommés? Bien sûr. Dégommer, c'est notre truc. Dites, ça vous dérange si je reste avec vous? Oui. Par contre, tu partages la chambre de Prompto. Parce que bon, c'est pas quel âge il a exactement, lui. On va se reposer maintenant? Oh, bah déjà. Ah, c'était le vieux Lestaloum. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On partage la chambre avec une mineure? Ça va pas du tout, ça. Ça me plaît guère. Ah, regardez la photo. Ça, c'est moi. Bravo. Joli portrait, si tu veux mon avis. Très joli, mais... Oh là, regardez. Il a pris une photo à ce moment-là, hein. Ah, arrête de me flatter. Mais qui sait, ce sera peut-être ma prochaine carrière. Le mec, il a que ça à prendre en photo, mais sérieux. Êtes-vous bien sérieux? Enfin, bref. Bon, allez, on va quand même visiter cette maudite ville avant de finir cet épisode, quand même. Hop. Oui. Allons à Colum. On bouge. Cohen. Ouais. Je crois que c'est ça. Oh, je sais plus. Let's go. Quem. Bref. Bon, c'est à combien de kilomètres? Toujours à 3, hein. Ok. Et il commence à pleuvoir. Si c'est pas de la malchance... C'est pas clair, tout ça. Au moins, la prochaine fois qu'on la verra, on sera pas surpris. En tout cas, elle est d'une autre envergure que Loki. Ouais, mais... Faut dire qu'on avait Kor à nos côtés contre lui. Tu crois que... ça nous aurait aidé s'il avait été ici? J'espère qu'on pourra l'affronter encore. Je rêve ou ça ressemble à une sorte d'entrée? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par là. Il semblerait que nous ayons devant nous la fameuse forêt de Malmalam. Alors il y a des chances qu'on y trouve ce qui nous intéresse. Ok, bon, on n'est pas prêt d'y aller tout de suite, hein. Mais allons-y. La ville, c'est pas pour maintenant. Tant pis. J'aurais essayé. Petite quête secondaire. Il y a un peu trop de monstres à mon goût. Et alors? Ils nous servent de punching ball? Ouais, ça me va très bien. Alors là, chacun son point de vue. Chacun son point de vue. Regardez. La vue intérieure est de toute beauté. Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé. Nous sommes arrivés. Eh ben allons-y. Faisons cette maudite quête. Mais c'est à Perpète. Vous savez quoi? De temps en temps, ça m'arrive de voir des gens voyager à d'autres chocobos. Vous êtes déjà monté sur un chocobo? J'aimerais bien le faire une fois. Oh! Eh bien faisons-le. Noct, tu peux appeler les chocobos? Et du coup, je crois que j'avais fait 3 jours de chocobo et c'est bizarre, je les ai déjà plus. Ça a été rapide sur le coup. Comment on fait pour aller là-haut? Mais sérieusement, c'est super loin. Vaincre le Daemon du cœur de la base. Sérieux, ça? Ok, je pense qu'on est arrivé. J'ai fait le film d'ellipse parce que c'était affreusement long. Mais là, on rentre dans un donjon, semble-t-il. Rien que ça. Tu veux y aller? Mieux vaut redoubler de prudence. Va savoir quelle sale bestiole habite dans le coin. Des grosses bestioles dégoûtantes, genre des araignées. J'aimerais pas du tout ça. Oh... Vous savez que il y avait des bêtes, mais ça va, je me suis... Attention! Des petits behemoths! C'est pas des behemoths, hein, je le vois bien. Attendez, je dis ça. Parce qu'ils sont faibles au feu, et ça s'est vu tout de suite, pourquoi? Parce qu'ils avaient des feuilles. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça s'est vu tout de suite, ils étaient en feuilles. Moi, je me base sur Pokémon, donc... Oh, il est pas mort, là, t'as vu? Non, mais il faut une invite ou pas pour qu'il meure? Merci. Comme sur des roulettes. Oh, des roulettes, des belles roulettes. Hein. En plus, ça leur a fait mal parce que c'est quand même des trucs extra. C'est des extra feux quand même. Quelque chose d'intéressant? Mais bien sûr. Je te rappelle qu'on vient juste d'arriver.
faudrait que ce soit indiqué par des pancartes en plus. Ouah! Et ça suffit? Faut que je me laisse faire comme ça? Il m'a mis confus. Pourquoi il change d'arme tout seul, ça? Ok, c'est parti, meurs! Non mais oh! Voilà, merci. J'aime le feu. C'est ma grande passion. Vous entendez cette eau qui coule? Oh mon dieu! Je vous ai vu, je vais vous tuer. Ça, je vous le dis tout de suite. On peut se concentrer sur ce qu'on fait d'abord. Ok, Gladius. Gladiolus, j'ai jamais arrivé. Ha! Allez, 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 couchez, couche panier. Oh non! J'ai plus de potions en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça suffit! Bam! Eh, elle se bat avec moi! Non, elle regarde, hein, j'ai l'impression. Moi, je sais pas. Voilà, ça marche! Quoi? Bon, bah, allons-y. À moi! Je sais plus comment ça s'appelle. Ramu! Et là, ils se disent, mais il est parti où, l'optif? Je sais pas, une grosse main l'a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se prendre une grosse foudre dans la tronche. Oh mon dieu! Pas de problème. Il va gérer. Bam! C'est n'importe quoi, cette attaque. Allez, pose-moi, sois gentil. Merci. On doit aller par où? Par là? Prêt à okay, parler de la foudre? Quand tu veux. Et poussez-vous! Quand même. Je connais ces runes! Eh ben voilà, ça m'a l'air d'être l'endroit idéal pour faire du camping. Moi, j'en connais un qui veut faire une pause. À toi de choisir, Nocte. On pourrait se reposer un petit peu. Où est-ce que vous avez vu des runes, vous? Vous êtes sérieux, quoi? Ah, mais j'ai fait marche arrière en 2 secondes et demie ou j'ai rêvé? Une grosse araignée! Eh ben, c'est une belle bête! Belle bête! Allez, l'attaque de dos! Bra! Allez, Gladiolus! Ignis! Ignis! Voilà, merci, voilà la prochaine! Ok, il est décédé, nickel! Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait marche arrière parce que j'étais à côté il y a 30 secondes et pouf, je suis parti en arrière, j'ai rien compris. Camper. Ouais, on va camper, puis je pense que je vais. Non, j'ai pas arrêté l'épisode là. Non, c'est pas possible. Je peux pas arrêter comme ça. Je peux pas l'arrêter comme ça, l'épisode, c'est pas possible. Soyez prudent. Comment on est au niveau vie? On s'est bon, fait glisser avec un tel courant. Ah, tu m'étonnes. J'ai pas les chaussures adaptées à la situation. Suffit d'y aller lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. C'est comme dans tout ça. Oh la vache! Il y a des crabes et des abeilles. Tu tiens le coup? Ouais. Il m'a. Toujours envie. Non! Pétillé. Et les super potions, il me reste plus des masses. Hein. Alors s'il vous plaît, respectez ma vie. Ah salut toi. T'étais là? Je savais pas. Je savais pas que t'étais invité à la fête. Esquivez. Ah, j'ai rien esquivé. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, merci. Je voulais pas mourir, je voulais simplement sauter. Bref. Ok, je m'en vais. Ça vous dérange pas, je me tire. Je suis là. Pronto. GG, pronto. C'est le moment d'utiliser le feu. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, c'est ton tour à toi. Eh, j'ai esquivé, hein, je vous jure. Ah, mais elle me soigne, elle. C'est cool, reste dans ma team. J'en suis plus. Schnack. Parfait. Il nous reste le truc qui vole de ça. Bon, il y a ça aussi. L'espèce de pince-oreille de plante. Raté, pauvre nul. Gladiolus. On va encore mettre un coup dans l'eau, quoi. Bien vu, Gladio. Ouais, bien vu, Gladio. Bien vu, t'as fait un coup dans l'eau. Mais il est encore là-haut, lui.
Là, faut que je fasse tout ici. Hein. Reviens là, descends. Aïe. Super potion. S'il vous plaît. Merci. Voilà. T'aimes pas les insectes, ton enfant? Moi? Grave. Ça me dégoûte. Moi aussi. Ça me dégoûte. Putain, mais je fais que en utiliser pourtant. Faut qu'on aille par là, donc je sais pas si c'est le bon chemin vu la map, non. Je vais aller par où alors? Faut que je monte là-haut? Ah non, il y a un chemin. Il y a le chemin! Suivez le chemin! Qui m'aime me suivre? Apparemment, on peut continuer par là. Alors c'est ce qu'on va faire et tout de suite. Ouais, ouais. J'avais l'intention de le faire. Ça s'écrit vachement d'un seul coup. Ça nous donne une bonne raison de rester sur nos gardes. Restez sur vos gardes. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Predator? Ça fait du bien de plus être à l'étroit. Te réjouis pas trop vite. Il a pas l'air très sympa! Ça, on s'y attendait! Mais lui, c'est parce qu'il a pas l'avant! C'était pour ça que je suis monté? Essaye pas de m'attaquer, hein! Je suis un gentil! Je vais là-dessus, là! Eclipse! Qu'est-ce qu'il voulait me faire, lui? Je suis pas ton pote! On va y arriver, pas de raison. J'ai esquivé, hein, je vous jure, encore une fois. J'ai appuyé sur le carré, mais ça esquive pas tout, sans doute. Allez, soigne-toi, s'il te plaît. Merci. Maintenant. Surveille bien la personne. La parade, la parade. Et là, j'appuie sur le carré, mais bon. Ça marche qu'un temps, hein, ça marche pas tout le temps. C'est parti. Bien vu. Cette fois, la peur va changer. Allez, prompto, c'est ton moment. Ouah, 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 on se calme quand même. Ouah, mais arrête, dès qu'il met un coup, je suis mort. Est-ce que je dois fuir? Bon, vous savez quoi, on fuit? Il est trop puissant, on est d'accord. Ouais, on va chercher l'arme. Allez, vite. Vite, 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 vite. Ah, ça s'ouvrira pas. Saleté. Mais s'il me mettait qu'un coup seul coup et ça me fait mourir, c'est agaçant à un moment donné. Pardon. Relevez prompto, merci. Par les pouvoirs de mes ancêtres, je vais te manger, je vais te manger, je vais te manger, je vais les manger, je vais les manger. Allez, viens là, arrête de fuir s'il te plaît. Vous êtes sérieux, ça lui fait que ça comme dégâts? C'est parti, tous les uns, tous les... Cette fois, la peur va changer de corps. Tiens. Bien joué, Tromto. Ah merde, il est couché, je viens de le remarquer. Allez, 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 allez. On va l'avoir, 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 on va l'avoir. Pas de quartier. Bon fromage. On n'a rien à voir. Ok, on va l'avoir, on va l'avoir. Bien joué, Gladius. On l'a eu. Wouhou. Oh, c'était chaud. Regarde un peu ça. Voilà, à nous le joli trésor. Impeccable. J'ai vraiment douté sur ma capacité à l'avoir. Mais on va avoir une nouvelle arme. L'arme de mes ancêtres. Enfin, des anciens rois. Allez. Allez, c'est parti. Bravo, Noctis. Bien joué, les gars. On a besoin de faire le chemin en arrière, sérieusement?
Oh non. Attendez, ça va être loin quand même. Ça... La voiture est où? S'il vous plaît. Oh, en plus, il va faire nuit et tout. C'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Bon, c'est vraiment l'épisode des ellipses. Je pense qu'on va faire une ellipse le temps d'arriver jusqu'à la voiture. Même si je pense que ça sent un petit peu les ennuis. Ah, la voiture. Le chemin était long, hein. Je vous dis tout de suite. Vous allez me remercier d'avoir fait des ellipses. Parce que franchement, c'était un petit peu abusé. Donc c'est reparti, on va aller à Cohen. Ouais, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais on va y aller. Et non pas Cohen. Je suis gouré tout à l'heure. Allons-y, let's go. Et du coup, c'est vraiment une ellipse le temps que... On arrive, parce que là, ça commence vraiment à rien faire. C'est sauf s'il se passe quelque chose, encore une fois. Mais on verra. Waouh! Vous avez vu ce panorama d'enfer? C'est plutôt paradisiaque comme vue. Sauf que t'es pas mort. Oh, c'est splendide! On arrive enfin! Enfin, bientôt, on est d'ici un kilomètre. Oh là 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 là, la mer! J'aime bien la mer dans les jeux vidéo, je sais pas pourquoi. Dès que je vois la mer, je suis content. Vous imaginez pas dans Kingdom Hearts, directement t'es à la plage, donc... Ah! Je vois un grand pont! Ah quand même! Impressionnant! En effet, il doit traverser un fleuve important. J'adore ce genre de paysage! Ah moi aussi, j'adore plus que plus que plus. J'adore plus, voilà. Pourquoi pas? Bon, on va arriver à la ville et je pense qu'on s'arrêtera là. Mais j'ai vraiment hâte de la visiter, donc du coup dans le prochain épisode, je sais pas à quoi ressemblera cet épisode, parce que franchement... Quoi encore? Non, on y va, on va à la ville. Ah, j'ai mis oui, mais quel nul! C'est bien, ça a arrêté en plein milieu de la route. Allez, donc on continue, on va quand même. Mince alors. Allez, on bouge? Ouais. Allez, on bouge. On a pas que ça à faire. Je vais visiter cette magnifique ville. Donc, c'est toujours toi qui fais la cuisine? Plus ou moins. Gladio, tu l'aides pas? Et toi? Bah, à l'occasion. Quelle occasion? Moi, je l'aide bien. Je mets toujours le couvert. Je vois que les tâches sont bien réparties. On est arrivé? Oui, c'est là. Ignis, merci pour la route. De rien. Je suis trop pressé de revoir Talcott. Ok, on est arrivé. Ah, je m'attendais à avoir une grosse ville, je suis un petit peu déçu. Bon allez, on va quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Surtout, n'oublie pas d'acheter des médicaments. Compris. Ouais, les médicaments, c'est vrai qu'il manque un petit peu de potions en ce moment. Allez, on va voir ce qu'il y a là-bas. Il y a un phare, semble-t-il. C'est parti, wow, c'est de toute beauté, wow. Comme d'habitude. Non ? Et si on montait ? Le vent doit souffler là-haut. Mais allez Cindy. Salut. J'en étais sûr. J'ai reconnu la voiture au bruit du moteur. Ah, bah oui, on quitte Iris. Notre voyage restera un super souvenir. Allez, à la prochaine, Iris. Papy est en train de leur taper. Je pense qu'il en a pour un bon moment. Qu'y a-t-il? Un problème? Disons que le Rafio a fait son temps. On va être obligé de remplacer certaines pièces. Ah bah, ça promet. Ça ira. Papy, il est pas du genre à baisser les bras. Sauf que ces pièces, bah, faut les trouver. Désolée de vous demander ça, mais vous pourriez nous aider? Bien sûr. Compte sur nous. Super! Ah, et puis rassurez-vous, il n'y en a pas tant que ça. Monica et Dustin sont super efficaces. Ils ont déjà trouvé la plupart des pièces. Parfait. Ça ne m'étonne pas d'eux. Malheureusement, il nous manque encore du mithril. C'est un minerai extrêmement rare. D'après le petit garçon de la capitale, il est absolument impossible d'en trouver dans la région. Talcott ? Oui ! Il est si jeune et tellement savant. Pour en savoir plus, allez lui parler. Ok, merci. C'est bon ? Je vais encore te suivre ou quoi ? C'est comment ça se passe ? Ah, elle veut se mettre à courir maintenant. Alors c'est quoi ? Ah ! Allez, viens ! Ah, elle nous suit, c'est bon ? Go ! Ah non, elle suit pas. Mais non! Tu t'ennuies avec nous, c'est ça? Papy est sur le quai, il vous attend. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais faut que je m'occupe du garage.
Je vais prendre mes outils et je vais rentrer. À la prochaine, Cindy. Regarde, ici, c'est notre maison. Je vais te montrer. Eh ben, je me montrerai ça dans le prochain épisode parce que ça se termine pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.